Dis à ton voisin, j'aime la prière. Je t'entends pas. Dis à ton voisin, j'aime la prière. Voisin, reduce your talking time. Réduis ton moment de bavardage. Dis voisin, reduce your talking time. Réduis ton moment de bavardage. I have told you when you come to service, most of the time, have something to jot important things. Je vous ai dit chaque fois que vous venez au culte, il faut que vous ayez quelque chose pour prendre d'autres. You think that your head is not true. Vous vous dites que vous mémorisez ce que je dis, c'est pas vrai. You out there, you forget everything. Before you want to know, you have gone into one error or the other. Quand vous sortez là-bas, vous n'avez pas à retenir le temps de vous rendre quand vous êtes tombé dans une erreur ou d'autres. And worship God like this. Quand vous venez à adorer Dieu comme aujourd'hui, sachez que you go high. Vous grandissez. But Satan is waiting out there. Mais Satan vous attend là-bas dehors. With different traps. Avec de différents pièges. So you only survive this trap by this one you done. You hurt and you grew in God. Donc vous ne pourriez qu'échapper de ces pièges parce que vous avez entendu. Vous retenez et vous allez grandir en Dieu. Et pendant que je vous parle, il y a encore des gens qui s'efforcent à venir ici sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Les gens se battent pour arriver ici sur la terre. Mais il n'y a pas de moyen. Why? Pourquoi? Fight. The battle is too much for them. Le combat est beaucoup, très rude pour eux. D'autres ont tellement de plaintes. La paresse et beaucoup d'autres choses, c'est pas eux, c'est cet esprit, le démon. They have just called you this morning. D'autres ont vous appelé ce matin. For an urgent business, this today. Pour un business urgent. Anyway, don't promise it. There's another person they come, they call you today, and you say, "Na la, na service day." I know they do that business today. So they call you today. Une autre personne, je parle dans la foule, on t'a appelé ce matin. God gave me that grace not to go. Tu as dit non, aujourd'hui c'est le jour du culte. Dieu t'a donné la grâce de ne pas y aller. You see, all those distractions is because Satan does not want man to worship God in truth and spirit. Toutes ces distractions, c'est parce que Satan ne veut pas que l'homme adore Dieu en esprit en vérité. And by the time you are stepping away from worship, et du moment où tu t'éloignes de l'adoration, dis à ton voisin, du moment où tu sors de l'adoration, you are stepping away from godliness. Tu sors de la piété. Dis-moi, dès lors que tu sors de l'adoration, you are stepping into satanism. Sache que tu entres dans le satanisme. You are going out of God and going into satanism. Tu sors de Dieu pour entrer dans le satanisme. Without knowing. Sans le savoir. Out of the goal, it will be a tangible program. Ce sera un programme qui a un sens. Going to do business on Sunday, is it a problem? Aller faire affaire le dimanche. Is it a problem? Est-ce que c'est un problème? Et d'autres vont me dire, mais Seigneur, vous êtes percé. Kind of breakthrough is to break you down. Ce genre de percée, c'est pour te renverser. Because when you go, you keep God aside. Parce que quand tu mets Dieu de côté, you go for material. Et que tu poursuis le matériel, what are you telling God? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? So it cannot be God giving you business just at that hour of worshiping Him. Donc, Dieu qui va te donner cette opportunité d'affaire à l'heure de l'adorer. Because God likes worship. Parce que Dieu aime l'adoration. Is somebody agree with me? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Please don't claim to know. Always come with what you need to judge. S'il vous plaît, ne faites pas semblant de trop connaître. Do you know why I know it? Avec quelque chose pour prendre des notes. Because me standing here. Je le dis parce que moi ici. There are times I will give you. Parfois, je vous donne. You come and ask me again. I don't know what I told you. Et vous me demandez, je ne vais plus vous dire ce que je vous ai enseigné. Is it surprising to somebody? Est-ce que c'est surprenant? I cannot tell you what I told you. Je ne peux pas vous redire ce que je vous ai dit. Pourquoi? It was not programmed by me. C'est pas I moi. I received it and I gave you. Qui l'avait programmé? Je l'ai juste reçu à ce moment et je vous l'ai donné. I just received it and I gave you. Je l'ai reçu et je vous l'ai donné. That is the rule of an oracle of a man of God. Voilà le rôle d'un homme de Dieu, d'un oracle. Receiving from God and giving his people. Recevoir des yeux et le donner au peuple. Not taking from you and giving the people, no. Pas receiving from God and giving the. Recevoir des yeux et donner au peuple.
à ton voisin, voisin. Regarde à ton voisin. Il y a des gens sans voisin. Somebody is in between two neighbors. The neighbors are turning and turning. Il y a des gens qui hésitent entre deux voisins. C'est neighbor. Dis voisin. Reduce your talking time. Réduis ton moment de bavardage. Increase. Et grandis. Your time for prayer. Dans ton moment de prière. And you will be more productive. Et tu seras plus productif. Tu bavardes trop. You complain too much also. Tu te plains également trop. You are talking too much. You will complain too much. Quand tu bavardes trop également, tu vas faire beaucoup d'erreurs. A mouth that complains too much negativity. Une bouche qui se plaint trop du négatif. Invite the negative community. Va inviter la communauté du négatif. Stop negative complaints. Stop les plaintes de négatif. Stop the complaints. Cesse les plaintes. And begin time for testimony. Et commence à témoigner. You know, by faith, vous savez, par la foi, by faith, par la foi, we'll testify before it happens. On témoigne avant que ça arrive. Am I talking to somebody here? Est-ce que vous m'entendez? Those are spiritual people. Voilà des gens spirituels. Hannah went to the tabernacle. Anne est allée au temple. And was looking for a child. Et elle était à la recherche d'un enfant. He cried before the Lord. Elle a crié à l'Éternel. And when God used the man of God, said, "Go is well with you." Et Dieu a utilisé l'homme de Dieu en disant, va être avec toi. La Bible enregistre. Hannah was satisfied in her spirit. Que Anna fut satisfaite dans son esprit. She went back home and ate. Et qu'elle est rentrée à manger. And was happy. Et elle était contente. Remember before meeting the husband. Rappelez-vous, c'était avant qu'elle rencontre son mari. If you see a man on this earth now that does become pregnant without man and woman meeting, they need deliverance. Si vous voyez une femme qui devient soudainement enceinte, ça fait so before meeting their husband, ça fait la rencontre, non? It shows that Hannah already started testifying. Ça veut dire qu'avant de rencontrer l'homme, elle avait déjà commencé à témoigner. Elle avait dit that it has happened. Que ça a eu lieu. That is faith. C'est la foi, ça. What is killing Christians today? Because you want to touch the matter first. C'est que vous voulez d'abord toucher la chose. You want it to be at your door first. Vous voulez que ce soit devant votre porte d'abord. Before you believe that God has done it. Avant de croire que Dieu l'a réellement fait. By so doing, you'll be a victim. Vous serez victime par ce que vous avez. No. There's somebody track your life. Dis à quelqu'un, puisque track your life spiritually. Puisque ta vie spirituellement. See the future. Fais l'avenir. Talk in the future. Parle dans l'avenir. Pray in the future. Prie dans cet avenir. By so doing, et par ce faisant. Tu vas stopper toute forme de charité. Tu vas sécuriser tes bénédictions. People that talk in their future. Ceux qui parlent dans leur futur. Bring safetyness in their future life. Je dis d'abord la préservation dans leur and futur. Their destiny. Et dans leur destinée. And they also également procure. Destiny that God has given because prayer is shaping it and keeping it for you. La destinée que Dieu t'a donnée parce que Dieu l'a déjà ajustée pour toi. But if you need to sleep, get up when you see it, say thank you Lord, I don't see this one today. No. Mais tu veux d'abord dormir et avoir une vision. Start living the life of seeing it before it happens. Il faut vivre la vie d'aujourd'hui. Avant de savoir qu'il y a la vie. Can I see your hand up? I want to give you a powerful secret. Je vais vous donner un secret puissant. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Catch it then. Put your hand down. Attrapez-le. Essayez-le. Why do I say you should see it first? Pourquoi est-ce que je vous demande que vous devez d'abord voir? Can I have some four chairs here? Est-ce que je peux avoir quatre chaises ici devant? Different kind of chairs, just different. Okay. I told you see before you. Je vous ai dit voyez you avant de in manifest. Can you? Are you seeing here? Est-ce que vous voyez ici devant? Can you see in front here? Est-ce que tout le monde voit devant? Amen. Amen. Wow, this is the environment of God. Voilà l'environnement de Dieu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? This is what? Environment of God. Voilà l'environnement de Dieu. God hold all these four chairs. Dieu a toutes ces quatre chaises. Multiply them to billions of things now. Et il les multiplie en de millions de choses. Tu peux donc multiplier maintenant parce que
il y a autant de choses que Dieu a entre ses mains pour donner à son peuple. You know, there are so many things God has to give to his people. Amen. Amen. Now, maintenant, when you pray, quand je prie, as I pray, comme j'ai prié, I needed a green chair. J'avais besoin d'une chaise de bête. I am not asking. Je ne demande pas. The chair is in the hands of the Lord. Les chaises sont dans la main de l'Éternel. I already took the chair. J'ai déjà pris cette chaise. And I'm with the chair. Et je l'ai. Can you touch the chair? Est-ce que vous pouvez la toucher? Now, when you are with the chair, can you touch it? Quand vous êtes avec cette chaise, est-ce que vous pouvez la toucher? Explain to me how I can touch this chair. Qui peut m'expliquer comment est-ce que je vais toucher cette chaise? I have prayed. I have taken the chair and it's with me now. J'ai prié. How can explain how I can touch the chair or how the chair is when I see a lot of yes? Praise the Lord. It is with his eye of faith that he knows that what he has asked has been given him, and he holds it. For Jesus Christ. This chair. Cette chaise. Is it a physical chair or spiritual? Est-ce qu'elle est spirituelle ou physique? Who now stop blessings? Who stop blessings? Qui stoppe maintenant les bénédictions? Who is stopping blessings? Qui vous parle à vous de bénédiction? C'est Satan. Satan can come and, as you have prayed, he can come and stand and begin to block that chair not to come. But as you have taken the chair, it's with you. It just a few days for it to land on earth physical. Dès que vous avez récupéré la chaise, que vous avez bloqué sa chaise, dans quelques minutes vous allez les recevoir cette chaise physiquement. Few days. Dans quelques jours. Thank you for this chair. Je te remercie pour cette chaise. Don't weapon fashion against your chair, prosper. Comme j'ai dit cette chaise entre mes mains. Tu l'as dit que lorsque je vais demander, tu vas me donner. Tu es le Dieu par qui tout est possible. You never deny things for your children, Lord. Tu ne refuses jamais du bien à tes enfants. Thank you for this green chair. Merci pour cette chaise. I am sitting on the chair. Je m'assois sur elle. Don't sit on another chair. If it is a chair, you know you can sit on the green chair like this because it's a spiritual chair. Spiritual. Am I talking to somebody here? Prepare the chair with faith. Saisissez la chaise avec foi. When you are not seeing and taking it by faith, you face a lot of battle because the matter is in the spirit, not physical. Quand vous n'utilisez pas la foi, l'affaire en esprit, c'est pas physique. In the night. La nuit, aux environs de l'île, c'est à ce moment que les satanistes sont pour posséder la terre et pour arracher les possessions des autres. Piller les biens des autres et faire des sacrifices à leur mère. Le matin, ils vont à leur boutique et ils commencent à installer ces choses. Ils commencent à amener ces bénédictions. Enfant de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? We talk faith, but if we can use the little faith we have, a lot will be happening. Tous les gens parlent de foi, mais si on pouvait utiliser la toute petite foi qu'on avait, quelque chose se passerait. Écoutez, that's a revelation. Voici une révélation pour vous. People talk faith. Les gens parlent de la foi. Believers talk faith. Les croyants parlent de la foi. But execution of faith is a problem. Mais exécuter la foi, c'est un problème. Many people say that has possessed. Satan a possédé ce domaine dans votre vie pour beaucoup de personnes. Pray for deliverance in that area. Priez pour que vous soyez délivrés. Father, I want to execute my faith. Mais je vais exécuter ma foi. I want to execute my faith. Je vais l'exécuter. I want to stay on top of life. Je veux rester au-dessus de la vie. Stop the prayer in the room. Cessez de prier dans votre chambre. Stop limiting the prayer in the room. Cessez de limiter votre prière dans votre chambre. Productive prayer. Prier une prière. Prayer that affect territories. Une prière qui affecte les territoires. M'entendez someone here. Est-ce que vous m'entendez? I got up yesterday. C'est juste parce que there was thundering and a kind of rain yesterday. Il y avait l'orage et une sorte de tonnerre. Everywhere was dark. Partout était obscur. Then it was like they were uprooting trees. Who was in Borabere yesterday?
C'était comme si les arbres allaient s'arracher. The wind that was blown. And I said, Lord, who's carrying this? Et j'ai demandé, Seigneur, c'est quel genre de wind? The Lord told me, evil people have gotten up in Cameroon, not only in Bonaventure, because in Yaoundé, other places, it also happened. Le Seigneur m'a dit, les sanguinaires se sont levés au Cameroun. Parce que même à Yaoundé, ça s'est passé. C'est pas seulement à Bonaventure. Et quand je me suis levé, j'étais déjà dans la prière. Before I know around the house, le temps de me rendre compte, I was one of the people that targeted. Turned up fast. C'était ma vie qui a clé. Was something strike around the house before the tournament, Le tournant a frappé. I didn't mean that was not in prayer. I did not start prayer by my own. Imaginez que je n'étais pas dans la prière. Je n'ai pas prié de moi-même. And the Lord took me into the prayer realm. Say somebody, pray more than the way you talk. Dans le domaine de la prière, dis plus plus que ce que tu avais pensé. God is able to stop the complaint. God is able. C'est de plaindre. Dieu est capable. It is man that is not able. C'est lui qui est capable. Dieu est capable. And I said okay. Et j'ai dit okay. Father, Père. We own this city. Cette cité nous appartient. Look at him. You see a small man saying he owns the city. He's a small room. Et vous allez voir quelqu'un dans une petite chambre qui va dire que toute la ville nous appartient. Dans une petite chambre, apprécié pour Jésus-Christ. I say, Lord. J'ai dit, Seigneur. And all the agents and the kingdoms. Tous les agents et les bateaux de Satan. That has gotten up. Qui se sont levés. To cleanse. In this city of pour arracher les âmes au lieu de la ici. Je me lève comme ton oracle. Let the world be calm. Les vagues soient calmes. This kind of torrential rain cease. Que cet orage cesse. If you notice that rain cease, but places were dark till a kind of hour. It shows that the rain was supposed to fall torrentially. La pluie a cessé. But it's prayer that halted that rain. Mais vous allez voir que ce vent a continué jusqu'à cette heure. Mais c'est la prière qui a stoppé cette pluie. You know, only at the first preacher, people cannot understand. Don't bother. But I know some people know what we have been facing. Mais je sais they know gens, my life. Even when we go out for a lot of things, they know lot. They see the pourquoi je parle. They see the kurukuru attack, but I don't need man's confirmation. God is the one I'm looking at. Des expériences que j'ai eues, je sais qu'il y a des gens qui comprennent. Mais je n'ai pas besoin de la confirmation des hommes. Je sais que Dieu veut mon travail. Un jour, on s'est assis à l'église. À ce moment, il n'y avait pas encore de bureau. Je vous souviens ici. Qui était ici à ce moment? C'est là que je vais m'asseoir dans la salle et je vais suivre les gens. Ce jour, I was not made known that I have been a program for Adam. Je ne savais pas qu'on programmait un tonnerre contre moi. Listen. Écoute. It is because of what you carry and who you will be that they are attacking you. C'est à cause de ce que tu es. C'est pourquoi on s'attaque à toi. Que tu ne saches pas, c'est déjà comme ça. You know or not. Que tu ne saches pas. They know you. Ils that, savent. As you are like that, you are kind of great person tomorrow. They know. So they have seen it. Une grande personne de même. Listen. Don't stop this thing before this man becomes what he has. Donc, dis-tu complète cette chose avant que cet homme ne devienne ce qu'il va devenir. Je ne connaissais même pas encore beaucoup de choses. Can somebody in the crowd describe what happened? Who was inside there? Who was here that day? Est-ce que quelqu'un qui était ce jour à ce jour-là peut décrire ce qui somebody s'est passé? Somebody can describe it if we're really here that day. Si quelqu'un était là ce yes. jour, il peut décrire. I want you to know that when God is with you, j'aimerais que vous sachiez que quand you Dieu est avec vous, conscious of everything around you. Vous devez être conscient de tout yes. ce qui vous entoure. Let me hear what amen. While Daddy was sitting there, was seated there with him, receiving. All of a sudden, we saw a type of lightning that struck in the church. The thunder struck and directly behind Daddy. We knew all is over. Before we knew that he had rose up in prayer, we joined him in prayer, and that's what we prayed. But the thought that kept on threatening and threatening, we prayed until he ceased. Now,
stroke, I think, was it behind? Yeah. And then the car was parked in front. He went there, stroke, bam, and he not see me there. And then they know that I was sitting here. He came now here. But there's a testimony a woman that was sitting there gave that he saw when he was striking, he saw something enter the door and like, why? Striking. That was the tongue that coming in to finish with it. That but he said he saw some white thing pushing the thing out like that woman that started pushing it out like this. I was outside. It is after that night that we got up and said, okay, let us pray now. But God already did the job for us. Can I do anything? Can you do anything? Est-ce que je peux faire quelque chose? Just stay connected to Jesus Christ. Il faut juste rester connecté à Jésus Christ. Pray more. Dis à ta voisine, prie plus. Pray more. The matter is not in the physical. Le problème n'est pas là. Looking out inside that place in the spirit. Il faut aller dans cet endroit en esprit. You go and open your shop in the morning. Si je vois ta boutique le matin. There are customers that have been programmed for that day. Sache qu'il y a des You come to that very market and buy. Venez acheter ce jour. Among the customers. Parmi ces clients. How many will you grab? Combien sont ceux-là qui vont venir? They have programmed them. That okay. In marché Bonasama. On dit le marché de Bonasama. This today in the morning, more than 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 people will buy there today. Il y a 10,000 personnes qui vont acheter dans ta boutique. 1,000 will buy fish. Et 1,000 vont acheter le poisson. And among the people selling fish, et parmi ceux qui vont acheter le poisson, they are called trick sellers and they are believers. Parmi les vendeurs de poisson, who is going to cast? Maintenant qui va se partager les clients? Soyez spirituel. Who are going to cast the customers? Qui sont ceux qui vont s'accaparer les clients? It's supposed to be us because greater is he that is in us. Ça va bien sur nous parce que qui vont être sur nous? Qui a une question sur nous qui est dans le monde? But wait. Is it happening like that? Mais si c'est ce qui se passe dans le monde? Is it happening? This is where the problem is. Voilà le problème. One maman de ses fiches, il était automobile en datier. Il le look up, il get fait. As il look that il get fait, il dit mon dieu aussi. And he was sad. He go say, who come back on them? Who go? The poisson. You see there? Customer come. Who's customer? They have finished the customer that was supposed to come to them. Il a déjà fini les clients qui devaient venir ce jour. Am I coming from inside here? What's the matter here? When the customers finish buying, market is over for fish that day. Quand les clients finissent d'acheter, le marché est fini ce jour-là. No matter how you pray, no man will come to buy fish again. The program is happening in that day. Peu importe les prières que tu vas faire à ce moment, personne ne viendra plus acheter le poisson. You can spread it out now to all the activities of the earth. Maintenant, vous pouvez appliquer cela dans tous les domaines de la terre. Oh, everything has been programmed. Remember, tout est God programmé has programmed everything from beginning to the end. Dieu a tout programmé jusqu'à la fin. Possess ta possession. When I see some believers, quand I look at many as you wonderful potential. Je vois ce qu'on peut avancer en nous. You don't need money. Je dis toi cet homme, tu n'as pas you besoin de l'argent. Money. You just need to know God. C'est pas l'argent qu'il faut. Il faut seulement que tu connaisses Dieu pour que ce potentiel puisse s'extérioriser. This potential. Ce potentiel. Will just bring forth. Va sortir. There are people that have made their hearts to be working under people forever. Il y a des gens qui se sentent qui vont travailler pour pour toujours. That is not the spirit of entrepreneurship. C'est pas l'esprit d'entrepreneuriat. Whether the company is big how, they started somewhere before becoming big. Peu importe comment cette compagnie est géante, ils ont commencé à partir de quelque part. Listen. Écoutez. As the way you are, sometimes you sin. Because you are not living the life you think you could believe in.
Parfois, les gens qui vous servent vous s'approcher parce que vous ne vivez pas selon que vous l'avez espéré. So, as I know him, like, any little thing around you, nobody will catch up. Donc, quand vous faites de cette manière, tout ce qui va passer, vous allez catch up. There are even believers that they propose occultism to them, they take because their interest is given to them. What they are wanting is behind that occultism. They don't see the money for back. On dit traverse ici, prend l'argent de l'autre côté. Then he said, anyway, Greta is here. You know what she said? Greta is here. That is in me. That is in me. You take the thing, drink. You accept what you're doing. You enter covenant. No, I am a believer. Nothing will happen to me. Et tu dis, je suis croyant. And you have allowed God to worship Satan. Tu as laissé Dieu pour aller adorer Satan. And you misquoted the scriptures. Et tu as mal cité les écritures. And you are caught for sin. Tu es coupable. Very soon, something is happening to you. What happened to them? No. Quand quelque chose va arriver, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? You were wrong. Greed. You were too greedy. Tu es peut-être trop égoïste. Rise up and shout the living amen. Let's go pray. Amen. It's very bad to claim to know the
the word of God which you don't know. It's another worst thing that you know the word of God and you don't practice. The worst is if you don't even know anything. Le pire, c'est quand tu ne connais même pas la parole de Dieu. Ou quand tu connais et que tu ne connais pas la parole de Dieu. Dans ces trois exemples, ne sont pas bons devant Dieu. There are people that know the word of God, c'est but don't want to practice it. Mais ne veulent pas la mettre en pratique. By something you are a bad example. Tu es un mauvais exemple. Parce que you are what? A bad example. Un mauvais exemple. In the quarters, in the area where you live, dans what do they see about you? Là où tu habites. In your job site, what are you doing? Qu'est-ce que tu in your environment, what are you doing so that it can reflect the word of God? Dans ton entourage, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses refléter la parole de Dieu? What are people learning from around you? Qu'est-ce que les gens apprennent de toi? What are you impacting the community with? Qu'est-ce que tu impactes de la communauté? Know that the next human being around you must learn. Tell me, never. The next human being around you, la prochaine personne à côté must de learn one thing from you. Doit apprendre quelque chose de toi. There's no way you can finish with a meeting with somebody and somebody is not picking something from you. Tu ne peux jamais finir avec une rencontre. What is somebody picking from you? Qu'est-ce que quelqu'un apprend de toi? Hatred, la haine, anger, la colère, stealing, vol, killing, all those. What is somebody learning from you? Qu'est-ce que quelqu'un apprend de toi? Discrimination. La discrimination. What is somebody learning from you? Qu'est-ce que les gens apprennent de vous? How far has the word of God brought a man? Combien est-ce que la parole de Dieu vous a aidé, nettoyé? How far? Ask yourself. How far has the word of God pulled me? Ask yourself. Dis combien est-ce que la parole de Dieu m'a nettoyé? People of God. Peuple de Dieu. Ask yourself. Talk. Ask yourself. Regardez-vous. When you are looking at yourself, I know you are looking at yourself. Don't look at me. Look at yourself. Vous ne regardez pas, regardez-vous. Are you looking at yourself? Est-ce que vous regardez? How far am I approached with the word of God? To which level? Ask yourself a question. Am I really prompt with the word of God? Combien est-ce que la parole de Dieu m'a déjà? When I look around me, do I still lie? Do I still do things that God doesn't want? How far am I prompt? Est-ce que je mens encore? Est-ce que je fais encore les choses que Dieu ne veut pas? Look at yourself and ask that question. The Bible says this word of God has prompted you. La Bible dit que cette parole de Dieu t'a inondé. How far? Look at yourself. I said, don't look at me. If you are looking at me, that means you are not looking at yourself. Ne me regardez look pas. Look at yourself. Regardez vous-même. The church is not a fancy place, though. It's not a place to come and just dress as you know. The church is a learning place, a place to meet Jesus Christ. This is why the church we are here. C'est pas un endroit en s'habiller également pour venir. C'est un endroit où on hear from him and be a friend to Jesus and stop sinning. This is why we are in church here. Et cesser le péché en devenant ami de Jésus. Voilà pourquoi on a l'église. How far has the word of God thrown you? Combien est-ce que la parole de Dieu m'a répondu? Have you answered yourself? Have you answered? Est-ce que tu as répondu? Have you? I didn't say pray. Je parle de don't be pretending. I didn't say pray. Look at yourself. How far has the word of God brought me? And purify. Remember two things: pruning you and purify you. Te nettoyer et te purifier. How far? Exactly. Where you started hearing from the word of God to now have certain things changed about you. Is your character changed? The things you were given have been changed. All the worldliness have been changed. Est-ce que la mentalité a changé en toi? Have you changed? If you have changed, it shows that the word of God has pruned you to an extent. Si tu as changé, ça veut dire que la parole de Dieu t'a nettoyé jusqu'à un certain niveau. It's not my word. I'm not the one talking. Ce n'est pas ma parole. It's the word of God. We read it from the book of the law of God. C'est la parole de Dieu. On la lit dans les écritures. As you leave church today, et comme vous sortez de l'église, I am going back home. Et que vous rentrez chez vous, in your house, in your quarter, in your company, in your business place, wherever you are, can they call you a representative of Jesus Christ? Est-ce que vous appelez le représentant de Jésus? Can they call you? Or when you live here, you go back, you instead join people of the world and you be like them. Ou quand vous rentrez, est-ce que vous associez aux gens du monde et vous comportez comme eux? They have not changed. The word of Satan is pruning them and bringing them all to Satan. They have not changed. They remain in their drinking place. You came
Dès qu'on contribue à Satan. Il change la chose. Non. There is a problem. Somebody that was drinking one beer today is drinking one crate tomorrow. Ça va plutôt de mal en pire. Celui qui buvait une bière. So it shows that they are increasing in Satan. Ça veut dire qu'il a grandi en Satan. Are you increasing in God? Est-ce que toi tu grandis dans Dieu? Are you? Est-ce que tu grandis en Dieu? Don't always remember Sunday, but remember a day to have an encounter with God. It's not that Sunday is long, but it is a day I want to have a powerful encounter with my Maker. Mais dis-toi, c'est le jour que je vais avoir une rencontre puissante avec mon Créateur, le Dieu plus puissant. How many of you, combien of vous, us, ou de vous, on se lève, we begin to know that it's a day, le dimanche matin, a wonderful day of powerful encounter. Que c'est un jour puissant de rencontre divine. How many of us, and when you are going to church, you are fully oriented in your memory. You know, as I'm going, I'm not going to joke. Some demons are coming within the week, but I'm going because the presence are coming in the presence of God. Something must happen. Vous allez avec un but, vous dites, je vais dans la présence de Dieu. Something must happen. Quelque chose va se produire. Whether my neighbor is distracted, I am not distracted. I am going for something. Je ne peux pas être distrait parce que je vais pour quelque chose. I am going for something. Je suis venu pour quelque chose. All of you can be that mind oriented. Si vous tous ici présents, vous pouvez avoir cette mentalité. I will just say amen. Wow. Je vais juste dire amen. I'll just say what? Amen. Things begin to happen because you are ready for it. Parce que vous êtes prêt pour cela. You are what? You are ready for it. And the Lord said, it's after you are brought and purified that you can remain in Him. C'est après qu'il t'a aimé. And He remains in you. When these things happen, now you can be successful. He said you cannot be successful. You can't. Et il dit que ça après tout ce que tu as fait, tu as fait. Les choses ne peuvent pas bien aller pour toi quand tu es séparé de ton Créateur. Yes. Oui. Read it then. Let me read it. Open that Bible. Ouvre votre Bible. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Chapter 4. Remain in John chapter 15, verse 4. Remain in me, and I remain in you. For a branch cannot produce fruit. Did you hear it? For a branch cannot do what? Produce fruit if it is severed. That means cut off from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Who now gives fruitfulness to a human being? Who? That's my talk. Who is giving fruitfulness to a human being? If you are carrying Jesus today, si je porte Jésus aujourd'hui, I want to declare something. Let me see. Je vais déclarer quelque chose. If you are carrying Jesus, si je porte Jésus, if you believe si tu crois, that our body is the temple of Jesus Christ, le temple de Jésus Christ, that your body que ton corps is the temple of Jesus Christ, le temple de Jésus Christ, from today, à compter d'aujourd'hui, Jesus is living inside you. Jésus vit en toi. And you are now fruitful in the name of Jesus. Si tu n'étais pas foutu avant, from today, à partir d'aujourd'hui, fruitfulness is your portion in the name of Jesus. La fruitfulness est ton partage au nom de Jésus. I say, if you were not fruitful, je dis, si tu n'étais pas foutu avant, as you have heard this word of God, quand tu écoutais cette parole de the Lord said, remain in me and I remain in you. Le Seigneur dit, demain, je te regarde. Are you be fruitful now? Mais si tu n'étais pas foutu, I say, you are fruitful in the name of Jesus. Voici ce que vous êtes aujourd'hui. C'est un Dieu, Lord Jesus Christ.
I said, that is where I begin to confess in you. I am fruitful from today because I carry Jesus Christ. I am fruitful. Anything I do, I will succeed. Whatever I do, I will succeed. My success season has come. My success season has come. My season of productivity has come. I will multiply. I will multiply. Because Jesus is in me. I will multiply. My strength has increased. My strength has increased.